Je vais vous présenter un roman de Philippe Leroy qui s'appelle 1, 2, 3, Nous irons au bois. C'est édité chez Rajot et il est à 15,90 €. C'est un roman ado, grands ados, jeunes adultes, que j'ai pris plaisir à lire. C'est l'histoire d'une jeune fille lycéenne qui s'inscrit à un jeu sur Internet. Qui s'appelle Ne reviens pas. Le but étant d'être lâché, entre guillemets, dans un bois, soi-disant hanté. Ils sont 10 participants et à la fin, il n'en restera plus qu'un. Alors, ça fait un petit peu penser à Hunger Games que j'ai beaucoup aimé également, mais le fond de l'histoire n'est pas du tout la même. Donc, effectivement, ces 10 concurrents se retrouvent dans ce bois où il y a des phénomènes un peu étranges, paranormaux qui s'y passent. Sauf que le déroulé du jeu va prendre un petit peu le dessus de ce qui devrait se passer. Il y a un petit peu de violence qui s'installe entre les concurrents alors que ça ne devrait pas l'être. Ils ont toujours une fusée de détresse. Si l'angoisse les prend trop, c'est leur solution de sortie. Sauf que ils se rendent compte que toute leur fusée de détresse ne fonctionne pas. Donc là, des alliances se créent entre les concurrents et ils comprennent que finalement, ce jeu n'a pas le but et l'objectif escompté. Ils ont chacun un point commun, c'est d'avoir discuté sur des réseaux sociaux et à un moment donné, harcelé une jeune fille. Donc voilà en fait l'intérêt de ce livre. Le harcèlement sur les réseaux sociaux et ce que cette jeune fille fait pour se venger de ces personnes-là. Notre héroïne, la petite Fanny, dans ce livre, va se prendre d'amour d'un des concurrents. C'est très joli. Et là, je suis désolée, je vais spoiler aussi. Il se trouve que à la fin, ce concurrent n'est pas un concurrent, mais une concurrente. Qui est bisexuelle et il s'avère que c'est la fameuse fille qu'ils ont harcelée sur les réseaux sociaux. Rien qu'à en reparler, j'en ai des frissons. Ce livre part dans un sens dans lequel on s'y attend pas du tout et c'est remarquable. Enfin, la thématique, voilà, du harcèlement sur les réseaux sociaux, de la bisexualité, enfin, ou oui, l'appartenance à un genre, etc. Enfin, il est formidable. Donc, je vous conseille de lire ce livre. 1, 2, 3, Nous irons au bois de Philippe Leroy. J'ai fini.